Bonjour, bonsoir tout le monde, nous sommes sur Chanel Paula qui c'est Mister Julien Photo et Vidéo. Et bien, je vous dis à moi, je vais vous montrer comment pour nous retirer fond en photo. Alors, je vais vous montrer plusieurs étapes pour nous faire ça. Nous partons pour la première étape. Là. Mais avant de commencer, pas oublier d'abonner avec Chanel, partager si vous aimez le travail. Là. C'est la seule façon que vous pouvez encourager nous. Merci, nous partons. Alors, pour nous commencer, nous travaillons avec l'outil ça. Alors, on fait clic droit. Magnétique lasso. C'est avec outil ça n'a travail. Fait clic droit là et pour sélectionner troisième outil. OK. Nous va photo à zoom, on va commencer par en bas là. Nous va photo à zoom. Alors pour bail zoom, comme ça j'en m'a fait là, vous pèsez alt sur clavier là et puis vous avancez molette souris avant. Pour retirer dans zoom là ou avancer le derrière pour bailler zoom ou avancer l'avant ou bien sous pas le faire comme ça ou quand faire contrôle plus sous clavier contrôle plus pour bailler zoom contrôle moins pour retirer zoom. OK, nous partons. Moi conseille nous toujours bailler en plus zoom pour nous bien au travail n'a faire pour les nous fin travail photo hein. Comme un nan ou bien radli pa gen tout là-dedans pour photo à mal coupé. OK. Nous commencer, nous cliquer. Et puis n'a pas avancer. Côté nous besoin couper. Hein? OK, nous avancer. La faire route li pour compte. Exemple nous camper là la fait les pour compte les mer les rivon côté là les rentrer là dans rad monde avec un petit cal en main nous gain pour nous peser et backspace sous clavier seulement pour nous effacer point ça nous peser le effacer. OK, qu'on y a là nous refait route là. Faites attention là avec bag là, nous allons bien prendre. Voilà. Ok, je pense que vous avez une belle idée de ça à faire. Pour vidéo pas trop longue, nous allons faire un petit speed et puis nous allons tourner dans l'autre étape. Thank you.
Ça c'est le point côté nous t'es sorti. C'est là nous t'es commencé. Nous fait toute pour photo, hein? Nous couper tout côté. Nous pour le retirer et puis nous arriver dans même point ça, nous avancer, nous coller. Voilà. Nous retirer dans zoom là. Là comment on va retirer photo là, il y a plusieurs façons qu'à faire ça. Ou qu'à juste faire ctrl j, bien simple, voilà mes photos noires là. Ou bien si vous pas voulu faire ctrl j, on nous fait ctrl, n'a fait ctrl z pour nous tourner côté de sortir, hein? OK, si vous pas voulu faire ctrl j, ou ka juste aller là select ou faire inverse. OK, photo là t'es sélectionné, kounya là ou sélectionner background là que ou besoin retirer et puis ou peser delete. Voilà, et puis background nous en sorti. Pour retirer et contour ça ou faire contrôle d. OK, là photo hein, sans background. Si par exemple vous faites un travail photo ou artiste comme ça, ou qu'on aura toujours besoin de prendre l'autre projet, ou qu'à sévli, ou pas obligé de sévli avec background, non, ou pas sévli en JPEG, ou pas sévli en PNG. Comment pour ces photos ça en PNG pour qu'à toujours utiliser le sans background? OK, ou aller dans File, ou aller dans Save As, et puis vous cliquez là, vous cherchez PNG. OK, PNG. Et pour chercher côté ou mettre photo là et pour juste save. OK, exemple si nous besoin mettre photo ça sur un projet, nous un projet ça là par exemple, nous juste prend photo là, nous mettre le sous projet. OK, ouais, sans background. Kounya là nous juste chercher positionner le côté n'a mettre là. Et puis c'est très simple. Donc, moi va c'est une autre méthode toujours, des paquets l'autre méthode. Moi montrer nous première méthode ça. Et puis il y a une autre méthode qui est très simple et qui est très rapide tout. Moi pas et moi va le courir montrer nous. Va me chercher même m'a prendre même photo ça. Faire contrôle O pour ouvrir photo maintenant. Donc clic OK. Voilà. Ça c'est photo nous était sous travail là. Nous déloquons. OK. La méthode qui est très simple, très rapide. On juste sélectionner Magic Eraser. OK, vous faites clic droit là et vous prenez troisième là, Magic Eraser, et puis vous juste cliquez la background là. Pau. La masque en seconde. OK, nous gagnons ce bail là. Sorry. OK. La moins que en seconde travail ou te sous toi me fait. Dans paquet temps, moi juste faire. OK, ça c'est une autre méthode. Mais méthode ça, attention s'il vous plaît. Méthode ça, ou pas qu'à faire sur toute photo. Ça c'est un photo studio, une photo professionnel. Ou après mon nan, ou pas ouais, on mon nan, ça veut dire qu'il y a pile lumière avec background ça ou qu'à faire facile. OK? Ou aller là. Ou fait clic droit, vous prend Magic Eraser. Ou juste cliquer dans background. OK, et puis photo là background là sorti normalement rapide. OK, ça ou ka fè le ou ap retire background yon logo quelconque, parce que si ou al fè sou yon l'autre photo ki pa gen yon background, yon photo ki pa yon photo professionnel ou bien yon photo ki pa fait dans studio ki gen yon background et comme ça, mais ça pa le passé. Regardez là exemple, nou gen photo ça là, ouais. Regardez, on nous allons laisser faire pour nous. OK, où est-ce que passe? Mais ça passe. Exemple, si nous cliquons sur on blanc, il tout prend là avec tout cheveux. Ça veut dire. Voilà. Méthode ça efficace seulement les background comme ça et nous n'a pas gain ombre ou juste cliquer. OK, merci un pile, c'est là nous mettez fin. Nous dit tout le monde qui est abonné déjà, merci, et vous même qui beaucoup fait ça.
n'a demandé pour abonner avec channel là Mr Julien photo et vidéo. N'allez, n'a pas encore pour un autre coup. Bye bye.